Eh ben les amis, salut tout le monde. Eh ben alors aujourd'hui, donc une nouvelle session de kayak. Mais alors, regardez. On n'y voit que dalle. Voilà. Donc, je vous explique. La pompe à l'arrière, le sac avec... pour des choses dedans, hein, de rechange, des trucs comme ça. Et je vais tenter le truc avec la GoPro là-dessus. Vous voyez, un ancien pied photo que je me sers, que je me servais plus. Du coup, ben voilà. Je l'ai fixé là et on va voir ce que ça va donner. Allez, ben écoutez, je vous invite à me suivre. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est parti en kayak. Voilà. Alors, vous regardez derrière moi, ben, c'est du brouillard. Devant moi, c'est du brouillard. Autour de moi, c'est du brouillard. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis ma caméra sur un trépied. Un ancien trépied photo que j'avais. Et puis voilà, hein. Et puis pour le coup, bah, ça le fait bien. C'est plutôt sympa. Voilà. Bah, je ne vais pas vous faire grand chose en kayak, là, puisque c'est tout, tout en brouillard. Mais je suis sur le. Donc sur le grand large. Mais à un autre endroit que hier. Voilà. Et donc bon bah c'est bien aussi hein. Bah, il fait pas froid hein. Franchement il fait pas froid, il fait humide mais il fait pas froid. Bah les gars, c'est chaud là. Ah ouais, carrément. Là, c'est super chaud. Brouillard, mais alors... pas possible. Et donc... bon, il y a quand même les pêcheurs au milieu de l'eau, hein, donc les flottes tubes et tout. Mais alors, c'est un petit peu la galère. Bon, je les vois hein, quand même. Mais on voit 10-20 mètres, là, hein, pas plus. Hein. Mais bon, ça va, hein, moi je pagaille. Je m'éclate, c'est la fête. Mais bon. Ouais, je vais pas rester longtemps de toute façon là, c'est juste pour. En fait, je voulais juste essayer mon trépied dans le kayak là. Bah il tient très bien hein. En même temps, il est dans le kayak. Ouais, parce que sur le machin, ça faisait trop loin. Sur le pont avant du bateau, ça faisait vraiment trop loin de la place où je suis. Donc pour aller chercher là, c'était là. Donc, je l'ai rapproché et mis plus haut, puis voilà. Donc là, aujourd'hui, ben, il va falloir que vous contentez que de me voir. Désolé, j'ai pas d'autre solution que de vous faire voir que ça pagaie quand même. Bon, en même temps, je suis le seul à pagayer, hein. Les autres, c'est les pêcheurs. Moi, ça me dérange pas plus que ça.
Mais c'est sympa, hein, ça reste sympa. Hein. Ouais, voilà. Mais le soleil, je sais pas à quelle heure il va se lever, donc... De toute façon, c'est sûr, il y aura du soleil. Généralement, le brouillard appelle le soleil. Oh, puis je me laisse glisser tranquillement. Voilà. Hein. Mais franchement, il fait vraiment pas froid. Hein. Bon, il fait plus frais que hier, ça c'est sûr. Mais c'est humide, quoi. Voilà. Oh, les gars, on voit rien. On voit rien du tout. Mais alors franchement, on voit rien du tout à 10 mètres. Oh, truc de fou là. Il a répéci le brouillard. Oh là ça va, on est sur un étang. On serait sur le fleuve, c'est pareil. Après, sur le fleuve, le problème, il y a les péniches. Donc, si elle ne les voit pas arriver, là, c'est plutôt dangereux. Mais ici, ici, ça risque rien. Et alors, en mer, bah, c'est même pas la peine. Là, là tu es obligé d'utiliser le compas pour naviguer, parce que sinon, là, bah, ici... Un compas sur le fleuve ou sur les plans d'eau, ça va pas servir à grand chose. Mais voilà, donc en attendant, c'est quand même sympa hein, comme petite sortie. Ah, ben on voit le soleil qui perce là-bas derrière, mais c'est moyen. Ça perce, ça perce. On va y arriver. Ah, c'est sûr que là, il y a beaucoup moins de monde. Hein. Là, je suis tranquille. Déjà, les avirons, ben, pour l'instant, ils sortent pas. Donc moi, clairement, ça me bat. Oh, il y a mon téléphone qui... Les affaires reprennent. Ah, c'est sympa, moi j'aime bien quand même. Là, je suis super peinard. Moi j'avais idée de racheter un autre kayak, donc toujours dans Itiwi, hein, le nouveau là. Enfin, il est vert, c'est un peu le même que ça, mais vert, mais apparemment. J'ai regardé quelques vidéos de gens qui n'ont aucun intérêt
à présenter le kayak, hein, il présente le kayak simplement pour montrer ce qu'ils ont acheté, voilà. Donc ils n'ont aucun intérêt, c'est pas du tout des implémentaires. Et même sur les commentaires, hein, sur pas mal de commentaires. Alors moi je ne vais pas sur les sites français hein, pour regarder un petit peu les commentaires. Je vais sur des sites sur des sites allemands ou chinois. Voilà, j'aime bien. Parce que eux, voilà, ils ont vraiment aucun intérêt. Et franchement, il y a beaucoup de défauts. Donc les boudins restent collés. Donc c'est pas bon. Et voilà. Alors le seul truc qui paraît quand même pas mal, c'est le fait que c'est pas de la toile. Donc c'est un peu... C'est un peu style les zodiacs. Ouais. Donc ça c'est bien parce que ça sèche, il suffit de l'essuyer, un coup de chiffon dessus, puis ça y est, il est sec. Tandis que le mien, alors franchement le mien, j'ai aucun reproche à lui faire à ce kayak. Hein. Mais le seul, le seul truc, c'est qu'il est très long à sécher parce que c'est justement de la toile qui enveloppe les boudins. Donc voilà. Et c'est vrai que ce kayak, ça fait quand même très longtemps que je l'ai. Et franchement, j'en suis super content. Quoi. Ah ouais, super content. Et on peut le charger. Ça encaisse bien. En navigation, franchement, plutôt bien. Donc voilà. Hein. C'est vrai que je voulais changer pour le tissu, surtout, hein, pour avoir une toile Zodiac, hein, style Zodiac, on va dire. Et voilà. Alors l'été, oui, bien sûr que ça sèche bien. Hein, l'été, quand il fait très chaud, il n'y a pas de problème. Mais alors, comme là, on arrive en automne et tout là, ça sèche plus du tout quoi. Alors il faut l'étendre et voilà. Mais bon, mais franchement, moi, mon kayak là, j'en suis franchement super content. J'ai déjà eu l'occasion de le charger plusieurs fois, vraiment. Et charger, quand je dis charger, c'est charger. Clairement, et ça tient bien le cap. Voilà. Oh là là, ce brouillard, mais c'est super épais, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Voilà. Bon, moi, de toute façon. Ah, j'entendais gueuler, maintenant c'est des gens. Bon, voilà les gars, la balade kayak s'arrête ici. Ah ouais, trop de brouillard, regarde un peu, on n'y voit rien du tout. Donc voilà, je remballe tout, je vais vider l'eau du kayak, voilà. Et puis ça sera pour une prochaine. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche. Et puis, portez-vous bien, et puis à une prochaine vidéo. Bah, la prochaine fois, je pense que je sortirai en paddle, très certainement. Voilà, donc allez, à voir.
Allez, ciao, bye. Bonne fin de week-end. Et portez-vous bien surtout. Et faites attention à vous. Allez. Bye bye.